Yo les potes, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Option Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu à froid cette nouvelle mise à jour. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil sur ce que les développeurs ont fait et je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qu'ils ont bien vu nous changer. Alors la grosse mise à jour, elle est faite par rapport au skin et à l'apparence dans le jeu. Ça a été une demande des joueurs depuis un long moment. C'est-à-dire que l'accès aux skins et aux skins d'armes et aux masques est beaucoup plus facile qu'avant. Il n'y a pas besoin forcément de les acheter. C'est moins pay to win, on va dire. Comme vous pouvez le constater, par rapport à la dernière fois, un peu de changement. J'ai un nouveau casque donc, que j'ai développé, que j'ai eu gratuitement grâce à ce nouveau système. Et le Ranger que j'ai acheté tout récemment, je vous ferai une petite vidéo présentation juste après. Donc par quoi commencer? Le système de quête a grandement changé en fait. Je vous montre. On a toujours nos quêtes journalières, hein, tous les jours, et qui sont un peu plus faciles à réaliser qu'avant, même beaucoup plus faciles la plupart du temps, et qui nous donnent en dessous, vous pouvez voir, jour 1, jour 2, jour 3, jour 7, chaque jour nous donne un petit bonus en plus de ce que rapportent les quêtes journalières, hein. Et en plus on a ces quêtes principales, qui elles sont les mêmes pour tout le monde et sont en fonction de votre niveau. Donc quand je me suis connecté là après cette mise à jour, la grande surprise a été de voir toutes ces quêtes principales qui étaient déjà remplies à l'avance. Par exemple atteindre le niveau 20, bon bah c'était déjà fait avant. Et ben j'ai eu droit à toutes les récompenses, ce qui m'a fait gagner beaucoup de gold, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai pu m'acheter le Ranger que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà par rapport aux quêtes. Ces quêtes vous permettent d'ouvrir des valises. Vous voyez valise x3, valise machin. Et c'est dans ces valises que l'on peut découvrir des petits fragments de skins. C'est à l'image de League of Legends si vous y avez joué depuis les dernières mises à jour. Enfin dernières, elles sont plutôt anciennes maintenant, mais on ouvre des coffres avec des fragments de skins. Et il faut collectionner un certain nombre de fragments pour avoir le skin. Plus le skin est rare, plus il faut de nombre de fragments bien sûr. Je vous montre comment ça marche. Voilà, on a les skins communs. Donc on peut cliquer dessus pour les essayer et voir sur le fusil ce que ça donne, hein. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a les communs, on a les rares, on a les uniques et on a les légendaires, d'accord? Faire attention, quand on a développé des... je vais y arriver. Quand on a gagné un skin, on peut le mettre que sur une seule arme. Par exemple, je vous montre, je vais dans mon inventaire, je prends mon salamandre, je lui ai mis un skin. Celui-ci, le skin, je sais pas comment il s'appelle. Hop, et ben j'ai un skin que j'ai développé dans une valise, mais je ne peux le mettre que sur mon fusil, je peux le mettre nulle part ailleurs. Donc choisissez bien votre arme avant d'y mettre un skin. Voilà, on attendait tous avec impatience des nouveautés au niveau social qui sont toujours pas arrivées, c'est bien dommage. Au niveau du chat, pouvoir discuter avec les amis, c'est franchement pas pratique. Le clan qui sert toujours à rien, j'ai envie de vous dire, puisque c'est difficile de discuter avec les alliés, on peut juste faire des games avec eux, c'est tout. Franchement, il manque vraiment cette interaction sociale. Donc ils ont dit qu'ils travaillaient dessus, ça serait probablement la prochaine mise à jour. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'ai créé le clan, qui pour le moment est ouvert à tous. Moi, j'attends les gars que vous me contactiez sur YouTube. Pour qu'on puisse se faire un petit clan entre abonnés, ce serait vraiment sympa de faire des games entre français. Parce que là, je l'ai ouvert et bon, tout de suite, les gens y rentrent dedans. Hein. C'est des bas niveaux, il y a un peu de tout, je pense, de différentes nationalités. J'aimerais bien le faire sur demande, mais j'attends que vous me contactiez pour qu'on se fasse des parties ensemble. Allez les gars, sur ce, ciao, ciao!